Bon, Christian Baluet, ce soir, on a vu vraiment l'inverse du match que vous avez disputé dimanche face à Ajoie, à Porrentruy. Si vous deviez décrire le match aujourd'hui, vous avez bien commencé, avec un premier but inscrit rapidement, puis ensuite, gentiment sur la pente descendante, Ajoie a pris le dessus. Ouais, c'est sûr qu'on a. Ce premier but nous a donné peut-être encore une fausse indication du premier match. Par la suite, on a pêché un peu. Je pense qu'on a voulu trop faire un peu tout seul. Collectivement, ça a été un échec ce soir. Puis après, bon, c'est vrai que leurs unités spéciales ont été meilleures que nous. C'était dur, on a fait la course derrière. Et puis à la fin, ils ont profité beaucoup plus de leur chance que le dernier match. Est-ce que tactiquement, Ajoie a bien joué, notamment contre la ligne à Genoé? Ouais, c'est sûr qu'ils nous ont causé beaucoup de problèmes. Et, au début, ils ont joué par contre. Et puis par la suite, on a eu beaucoup de mal à sortir notre zone proprement, à tourner dans leur zone, à part par période. Mais non, je pense qu'on a eu quand même du mal à faire ce qu'on voulait. Et puis ça, c'est clair, c'est dû à leur jeu. On a aussi vu que la réussite vous a un peu boudé, hein, un poteau, et puis beaucoup de rebonds en faveur du HC Ajoie. Ça se provoque quand même, on est d'accord? Oui, mais c'est une équipe qui met beaucoup de pucks sur la cage. Et en première période, on a eu un peu de chance parce qu'il y avait pas mal de pucks qui traînaient. Et bon, voilà, au bout d'un moment, ça a tourné pour eux. Je pense qu'il n'y a pas de secret. Ils ont fait les choses bien. Et ils nous ont mis en problème. Une chose est certaine, c'est que la série est claire pour pas terminer. Elle va être probablement très longue. Oui, c'est sûr. Même sans James démarrer, ils ont prouvé qu'ils avaient des ressources. Ils ont une bonne équipe, ils ne sont pas finis premier pour rien de la saison régulière. Voilà, il va falloir qu'on aille chercher un peu dans nos ressources pour les prochains matchs. Une dernière question, justement, vous parliez de James Amaré. On a l'impression que quand James Amaré n'est pas là, tout le monde se serre les coudes. Oui, mais avec la saison qu'ils ont eue, je pense qu'ils ont eu du mérite, ils ont eu pas mal de blessés, puis à la fin, ils finissent premier malgré tout. Donc, ils ont du caractère, ce sera vraiment important à nous de montrer le nôtre, prochain match, de rebondir de ce match-là. Donc clairement, ce n'est pas fini. Je vais certainement aller chercher quelque chose à Porrentruy vendredi. Pour l'instant, on va digérer ça, puis se préparer pour le prochain match. Et puis, voilà. Merci beaucoup pour votre disponibilité, Christophe. Merci.